Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour Morlovia. Je suis très content. Ça fait plus de 2 mois que je l'attends. Je l'espérais pour ce week-end. Et en fait, elle vient juste d'apparaître. Et donc, super surprise. Tiens, on va enlever ça au cas où. Super surprise, vraiment. Je pouvais pas rêver mieux. Mais du coup, j'ai déjà fait les 4 premières. Évidemment, j'ai sauté dessus, littéralement. Hein. J'ai pas laissé une seule seconde de répit à cette quête. Et comme vous le voyez, il me reste... Enfin, il me manque plutôt... qu'un seul tabard pour évoluer ma petite Sécha qui est ici. Petite Sécha, il te manque un seul tabard. Tiens, j'ai 4 lames, j'avais pas remarqué que j'avais 4 lames d'amas, c'est cool. Il manque un seul tabard pour Sécha. Eh bien, je vais l'avoir. J'ai 12 énergies, il en faut 20. Je m'en fiche royalement, ce que je veux, c'est absolument ce tabard. Et du coup, j'utilise une recharge. Je ne cherche même pas à comprendre. Tiens, d'ailleurs, on va faire ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Pour le terminer au plus vite. Je le veux absolument dans mon camp, dans mon stock. Bon, du coup, vous l'avez deviné. Hein. Quête élémentaire, donc quête élémentaire violette, Morlovia. Sombre, naturellement. Et du coup, juste précédemment... qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. C'est pas grave. Du coup, ouais, je suis vraiment perturbé, c'est hallucinant comment je suis surexcité là, vraiment c'est fou. Comment ce jeu peut être addictif. Vraiment, non, en fait, c'est pas le fait d'être addictif, c'est juste que ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que je me prépare à cette quête, vraiment, réellement. J'ai préparé des entraînements de niveau 11 sur 3 camps. Pendant plus d'un mois, j'ai fait tourner que des camps 20 sur mon 4e camp. Et du coup, depuis moins d'une semaine maintenant, j'ai, on va dire 4 jours environ, j'ai le camp 2 qui tourne sans arrêt. Et du coup, j'en suis à environ 1600 héros. Vous l'entendez, 1600 héros 1 et 2 étoiles que je peux d'ores et déjà récupérer dans mon camp. C'est quelque chose d'extrêmement énorme. Et j'ai environ... 60 héros entraîneurs 1, 2 et 3 étoiles que je vais également donner à ces chats. Je suis vraiment armé pour l'évoluer au plus vite et à fond. Mais je l'évoluerai pas aujourd'hui. Oui, je vais absolument vous parler que de ces chats, vraiment. Parce que je trouve ce héros vraiment, vraiment top, en fait, absolument complet. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que c'est elle que j'évolue et personne d'autre, en fait, tout simplement. Et du coup, d'ailleurs, vous venez de le voir, c'était très beau ce qui vient de se passer. Et du coup, je sais plus du tout ce que j'allais dire non plus. Oui, pardon. Et du coup, pour évoluer ma Sécha du niveau 1 du 4ème échelon au niveau 80 de manière très rapide en même pas 10 minutes, en tout cas je vais essayer, et en vidéo, je vais évidemment avoir besoin de nourriture. Ça c'est absolument indispensable. Et du coup pour cela, je vais attendre quelques jours d'avoir mon stock de nourriture qui est déjà plein. Mais d'avoir toutes mes fermes, tous mes moulins avec une production de nourriture absolument pleine à craquer. Je vais avoir des ressources de nourriture absolument pleines pour pouvoir évoluer ces chats d'un coup d'un seul, absolument. Et du coup, tout ça, ça va passer par un petit peu d'attente, voilà. Par contre, je vais l'évoluer là tout de suite, à la fin de cette vidéo, au niveau 1 de l'échelon 4, tout simplement parce que ça vaut 700 000 de nourriture, si je me trompe pas. Et du coup, ça va puiser pas mal dans les ressources dont je vais avoir besoin pour pouvoir l'évoluer très rapidement avec tous mes héros 1 et 2 étoiles. Du coup, le fait de le faire là maintenant, ça va me permettre de récupérer ces 700 000 de nourriture pour l'évolution et du coup... me permettre d'avoir un maximum de nourriture pour être sûr à 100% de pouvoir la mettre à 80 d'un coup et en vidéo, tout simplement. Donc, vous allez voir ces chats évoluer au 4ème échelon, chose que j'attends depuis des mois, en effet. On est sur le boss, oui, j'en ai pas parlé. Hein. Ils sont plutôt bons, d'ailleurs, en héros mensuel, parce que ça a été un héros mensuel. Bouge, hop. C'est Victor. Et du coup, oh, j'ai perdu Margaret. Ok, pas de souci, c'est pas grave. C'est Victor, il est plutôt bon. Enfin, ils sont plutôt bons. Le Victor est plutôt bon. Hein. Mais eux sont pas extrêmement puissants. C'est fait en sorte, les 4 élémentaires, que ce soit accessible à des personnes qui ont des 4 étoiles. Donc, c'est accessible au plus grand monde.
Le conseil, c'est quand même d'essayer d'en tuer un, en tout cas, puisque à deux, ils sont puissants, un petit peu puissants, vous avez vu, ils ont quand même réussi à faire tomber ma Vivica et ma Margaret. Mais tout seul, bah après, c'est plus ouf, quoi, il n'y a plus grand chose. Et du coup, c'est pour ça, le petit conseil que je peux vous donner quand même, c'est d'en tuer un d'abord. Bon, il fait quand même 600, hein. Oula, je sais plus quoi faire. Hop, voilà, on va faire ça. Ça, c'est la petite technique quand vous savez plus. D'ailleurs, je comprends pourquoi je savais plus, parce qu'il y avait rien d'autre que le mouvement automatique qui vient de se passer de jouable. Donc, c'est pour ça que je ne savais plus quoi faire. Vas-y, frappe à gauche. Non, mais non, pas sur elle. Tant pis. Ok, bon, bah, on continue. Hein. Et du coup, oui, c'est pour ça que bah, vous allez voir en vidéo, tout simplement, le passage de ces chats à l'échelon 4, niveau 1. D'ici quelques secondes, parce que je viens de finir, je vais récupérer mon petit sixième tabar que j'ai tant attendu. Il est là, il est beau, il est tout frais en plus, c'est magnifique. Hop, on passe, on s'en fiche Vivica de ce que tu me dis. Vraiment, je m'en fiche royalement. Ces chats, attention, évolution. Vous voyez, 708 000. Hein. Mon stock est plein, et du coup, je vais pouvoir charger tout ça. C'est tellement émouvant, vous pouvez pas comprendre. Si, vous pouvez comprendre. Je pense que tout le monde a longtemps attendu ce genre de choses. On est tous passés par de l'attente. Et du coup, là, ça fait quand même un bon moment. Et donc, j'en suis très, 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 très content. Si je le voulais, en réalité, je pourrais déjà donner de la nourriture à ces chats. Par exemple, un étoile, hop, entraîneur. Et je vous spoile pas, mais regardez, j'en ai mis que... Bon, on en met 10, boum. Je suis déjà au niveau 15. Je vais facilement arriver au niveau 80. Et le surplus que j'aurai servira pour Randvir, qui lui aussi... a la capacité de passer à 80, et également pour, peut-être s'il m'en reste, mais logiquement avec 1600 euros dans mes camps d'entraînement, il devrait m'en rester, pour Thorn, qui lui aussi a la capacité de passer pardon, au 4ème échelon pour aller au niveau 80, donc ces 3 héros sont mes prochaines évolutions. C'est tout pour cette vidéo, je suis très très content, et moi je vous dis à très vite pour l'évolution de ces chats. Sûrement ce week-end, on va dire, puisqu'on est mercredi, donc sûrement ce week-end. Je vous laisse. Ciao.